Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de Andrew Michael Hurley qui s'appelle Les Mortes Eaux. C'est un premier roman et sans doute, du moins à croire la présentation qui en est faite de manière assez agressive commercialement d'ailleurs, ça a quelque chose d'une machine à buzz, mais avec plus ou moins de conviction. À vrai dire, je ne suis pas certain que cet ouvrage ait tant que ça fait le buzz en France du coup depuis l'époque où je l'ai lu. Quoi qu'il en soit, tout l'attirail était déployé, supposé en faire un best-seller. L'argumentaire de presse, pourtant, se plantait dans le résumé du bouquin. Non, ce pèlerinage n'a pas lieu tous les ans. Non, ce n'est pas le père Wilfred qui dirige le petit groupe. D'autres exemples. Mais je suppose que lire le livre est une simple option quand il s'agit d'en rédiger la quatrième de couverture. Il est sans doute autrement important de souligner que le livre est un grand succès commercial, d'ores et déjà, après pourtant une publication initiale des plus confidentielles. Chez Tartarus Press, une édition limitée à 300 exemplaires. Ce qui assure sa légitimité, parallèle à celle d'une J.K. Rowling, si ça se trouve. Et de même chose, on ira donc, il sera publié dans 14 pays, notez le futur, et que Danny Boyle va en faire un film. Le commentaire promotionnel de Stephen King en couverture joue sans doute dans la même catégorie, et avec une crédibilité guère plus probante, tant le roi, au fil des années, a ainsi parrainé nombre de livres qui ne le méritaient certainement pas. Dans d'autres domaines, je ne vois guère que Neil Gaiman pour rivaliser avec lui sous cet angle, j'ai l'impression qu'il a à peu près tout préfacé. Pourtant, je ne le nierai pas, cette accroche a probablement joué un rôle dans ma curiosité pour ce roman, davantage en tout cas que les 14 pays ou même le film de Danny Boyle. Le parfum gothique accolé à l'ouvrage, à bon droit, m'a décidé de tenter l'expérience, et le résultat est un peu d'incertain. Bizarrement ou pas, si le commentaire de King y voyant un grand livre et un roman incroyable, avec une conviction rhétorique toute trumpienne, est comme souvent bien excessif, on comprend toutefois que le maître de l'horreur ait pu l'apprécier, car il y a bien ici de sa manière en fait. Quant à la thématique gothique, elle est bien là, globalement bien vue, surtout quand elle se complète d'un décor sauvage assez joliment employé, presque aux accents de nature writing à l'occasion. Pour autant, je ne sais pas vraiment en définitive si ce roman est bon, je crois cependant savoir qu'il n'est pas mauvais, on va dire que c'est déjà pas mal. Le roman est un long flashback où un narrateur contemporain revient sur une expérience traumatisante qu'il a vécue, sans forcément bien la comprendre, dans les années 70. Sa famille, les Smiths, est farouchement croyante, catholique en l'espèce. En fait, sa mère, Esther, appelée Momon quand le père est absent, l'est sans doute d'autant plus et de manière d'autant plus intransigeante que le frère aîné du narrateur, Andrew, dit Honey, est un handicapé mental. Et elle compte bien obtenir du Seigneur la guérison de cet insupportable tare à force d'exubérantes démonstrations de foi. Or, nous savons dès le premier chapitre qu'un miracle a eu lieu, d'une certaine manière du moins. Andrew, dans des circonstances encore non définies, a bel et bien outrepassé sa condition d'attardé. Il est devenu parfaitement normal, et plus croyant que jamais. Mais le narrateur laisse entendre que les choses ne se sont pas passées ainsi qu'on le croit et qu'on le dit. Et c'est pourquoi il prend la plume, alors qu'un sordide fait divers étalé partout dans la presse le ramène à l'inquiétant souvenir d'un pèlerinage dans le Lancashire, au nord-ouest de l'Angleterre, quand Annie et lui étaient enfants. Ce pèlerinage, car il y a là-bas un lieu saint à la façon d'un Lourdes du pauvre, était une tradition pour les Smiths. Ou plus exactement pour la petite communauté très soudée de la paroisse de St. Jude's à Londres, sous la férule d'un prêtre intransigeant, le père Wilfred, inévitablement porté sur le sadisme envers les enfants de cœur, hein, c'est normal. Il faut y ajouter les Balderboss, qui sont le frère et la belle-sœur du curé, ainsi que le couple, en puissance, formé par Miss Bunce, la jeune et jolie bonne du curé, disons, et son fiancé David Hobbs, passablement effacé. Tous soutenaient bien sûr Momon dans sa foi en une guérison miraculeuse d'Andrew. Mais voilà, le père Wilfred est mort, dans des circonstances peut-être pas très catholiques, si j'ose dire, et le pèlerinage de Pâques n'avait plus eu lieu depuis quelque temps de toute façon. Arrive un nouveau prêtre, le père Bernard, originaire de Belfast et autrement progressiste et sympathique, disons-le, que son prédécesseur. Momon, immanquablement, prend de l'ascendant sur le nouveau venu qu'elle ne cesse de comparer au père Wilfred, au bénéfice bien sûr de l'inégalable défunt. Elle persuade le petit nouveau, sans trop de difficulté, qu'il serait tout à fait bienvenu de relancer la tradition heureuse du pèlerinage de Pâques, une retraite de quelques jours dans la superbe région du Lancashire, où le groupe, plus que jamais soudé par la prière, s'avancerait humblement sous les yeux du Seigneur pour implorer la guérison du garçon attardé.
et le pèlerinage a bien lieu, la paroisse retrouvant ses quartiers habituels à Moorings, une bien sinistre demeure dans une bien sinistre région. Ce Lancashire-là n'a rien des charmants paysages vantés par Momont, qui en est semble-t-il originaire. C'est une contrée sauvage, mais terne, battue par une pluie incessante et plongée dans une grisaille perpétuelle, et dont les forêts comme les plages, aux entre-deux insidieusement marécageux, sont éventuellement traîtresses. Quant aux indigènes, ce sont de frustes paysans et guère cordiaux, a fortiori envers ces intrus de pèlerins. La région ne brille pas vraiment de l'amour divin que Momont veut y déceler. La description de ce cadre morne et déprimant est, on n'a pas douté, un des principaux atouts de ces mortes eaux, le principal même probablement. Elle pèse comme une chape de plomb sur toutes les pages du roman, pour un effet de détresse et d'angoisse tout à fait bienvenu. D'où l'allusion au nature writing plus haut, si elle est peut-être plus ou moins pertinente. Hein. L'essentiel du propos, toutefois, s'il est dans une symbiose de tous les instants avec ce cadre oppressant, opérant un balancement tout gothique entre une nature inquiétante et une antique bâtisse qu'on devine noyée de secrets plus ou moins avouables, porte sur la foi et en dresse un tableau pathétique, au sens premier du terme, dans lequel la détresse des protagonistes, qui pourrait, voire devrait nous les rendre attachants, suscite hélas une foi agressive et d'autant plus bornée, parfois au point d'en être révoltante. Car Momont, dans son désir de guérir son fils, peut se montrer violente. Plus souvent cependant, cela se montre un brin ridicule, si le décor pesant et l'ambiance à l'avenant n'autorisent pas le qualificatif de risible. C'est sans doute que nous sommes très loin ici des subtilités de la plus haute théologie, davantage du côté d'une foi simple et mécanique, où la citation permanente des Écritures fonctionne à la manière de mantras et de talismans, tandis que la pratique quotidienne mêle au credo une infinité de superstitions, au grand dam d'ailleurs du père Bernard, foncièrement conciliant, mais qui est d'un profil tout autre, et ne peut tout simplement pas rivaliser avec son prédécesseur. Les certitudes et l'intransigeance du père Wilfred témoignaient, dans l'esprit de Momont, de son inaccessible supériorité en tant que prêtre. Un curé plus moderne et tolérant n'a pas sa place dans cette communauté soudée autour de préceptes agressifs et exigeants. Peu ou prou humilié en permanence par ses paroissiens obtus, le père Bernard est sans doute le personnage du roman qui suscite le plus la sympathie du lecteur. Et les enfants dans tout ça? Eh bien, Annie est telle qu'on pouvait l'attendre, en simple d'esprit à qui l'on a fait la promesse du paradis, mais qui sans doute n'a pas la moindre idée de ce que cela peut signifier. Il arbore un sourire peu ou prou constant, mais garde néanmoins à porter les objets, un masque de gorille, une figurine de dinosaure en plastique, de ses propres rituels pathologiques, témoignant, le cas échéant, de sa douleur ou de son angoisse. Le narrateur, que le père Bernard, gentiment paternaliste, surnomme Tonto, est assigné à la protection de son frère aîné, et c'est une tâche qu'il a à cœur. Bien plus, sans doute, que les ambitions de Momont le concernant. Elle compte bien faire de son fils cadet un prêtre, à la fois sacrifice dans l'imploration de Dieu pour la guérison d'Andrew, et, à n'en pas douter, remerciement par anticipation à la façon d'un colossal ex-voto pour cette guérison qui surviendra bien un jour ou l'autre. Il faut garder la foi. Or, le narrateur, s'il baigne dans cette religion mécanique et simpliste, n'apprécie pas forcément cet avenir qu'on lui réserve, mais sans oser se rebiffer contre l'inévitable. Garçon docile, il répond « oui, mon père » quand le père, le vrai père, donc le curé, lui pose une question, et ça s'arrête à peu près là. C'est ici sans doute que le rapport avec Stephen King peut être avancé. Outre l'ambiance aux connotations fantastiques, si le surnaturel à proprement parler ne survient que dans les toutes dernières pages, et je dis vraiment les toutes dernières pages, ce traitement de la foi, et tout particulièrement du fait qu'il emprunte les yeux d'un enfant, a bien quelque chose de la manière du roi. Ceci étant, à tout prendre, on pourrait évoquer sans doute d'autres références, je dirais bien Bryan Evanson par exemple, forcément. Mais le narrateur et son grand frère Simplet sont donc des enfants, et c'est peut-être cela qui les sauve, bien plus que l'intervention toujours attendue mais sans cesse repoussée d'un dieu qui, à supposer seulement qu'il existe, a visiblement des préoccupations bien davantage prioritaires. Annie et son cadet se promènent donc dans les environs, pourtant dangereux, ou du moins ont-ils cette réputation. Mais c'est peut-être tant mieux pour deux gosses partant à l'aventure. Ils jouent aux soldats près du bunker de la plage, éventuellement avec un vrai fusil d'ailleurs, qu'ils ont trouvé dans la chambre de Moorings, et qui les fascine littéralement. Et ils croisent aussi, bien davantage que les pèlerins d'adultes qui les accompagnent, les autochtones, devinant en eux quelque chose d'inquiétant, voire de menaçant. Peut-être même satanique, ou païen.
Ainsi que le dit naïvement un des pèlerins, c'est une vieille région, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, mais entendant par là qu'il peut y survivre des traditions fort anciennes. Aux inévitables relents de sorcellerie, pour nos catholiques londoniens, pourtant pas les derniers, donc à épicer leurs croyances de superstitions à l'origine floue. Ils ont ainsi quelque chose des habitants de Dunwich, d'une certaine manière. Et pourtant, sous leur sarcasme parfois lourd de menaces, éventuellement sous leur crime, que le premier chapitre laisse déjà supposer, ils conservent peut-être bel et bien quelque chose d'étonnamment positif. Et, on s'en doute dès le départ, c'est par leur biais que le miracle opérera, et non via l'intervention divine suppliée, espérée et pourtant jamais là. Qui dit est un malentendu à ce sujet une fois que le miracle a opéré, ne fait que rendre plus pathétique encore la foi militante et simpliste des pèlerins et au premier chef de moment. Pour autant, il ne faudrait peut-être pas pousser le bouchon trop loin et voir dans les mortes eaux un réquisitoire anti-religieux. Qu'il y ait une part de caricature dans le tableau de cette foi est probable, voire indéniable. Qu'il y ait une part d'aigreur et de ressenti est tout aussi plausible. Mais les personnages conservent leur humanité malgré tout. Momon, aussi détestable soit-elle en apparence, n'en est pas moins au fond une mère aimante et d'autant plus désespérée. Le père Wilfred, ultimement, a lui aussi quelque chose de tragique à mesure que les doutes l'assaillent, lui rendant en définitive une humanité que des années de rites avaient vainement tenté de gommer. Quant au père Bernard, comme avancé plus haut, il est à n'en pas douter le personnage le plus sympathique et ouvert du roman. Mais Les Mortes Eaux est-il un bon roman? C'est une question au moins complexe, et peut-être davantage. Disons du moins qu'il se lit sans déplaisir, ce qui est déjà pas mal, donc. Il brille même parfois dans l'utilisation de ce cadre ô combien inquiétant, ou dans certaines séquences où la foi telle qu'elle est mise en scène produit un effet théâtral bienvenu. L'alternance équilibrée de ces deux dimensions produit un texte non dénué d'un certain charme morbide qui peut aisément séduire le lecteur. Sans doute les chapitres consacrés aux enfants sont-ils à cet égard un peu moins palpitants en fait, même si leur rencontre avec la faune humaine, ou bien... bon, la faune humaine du Laoni, autorise de beaux moments de sourde inquiétude et de bizarrerie. Le style est sobre mais correct, rien de brillant toutefois, et des hey et nay à foison dont je ne suis pas bien sûr de la propos. La construction est plus intéressante. Dans son usage des flashbacks, dans le flashback, autant que dans ses retours au présent à venir, Andrew Michael Early fait preuve d'une certaine habileté, qui a peut-être quelque chose de déconcertant au premier abord, mais s'avère enfin globalement tout à fait pertinente. Par contre, il tire peut-être un peu à la ligne à l'occasion, et sème son roman de séquences souvent inutiles, même au regard du façonnage de l'ambiance. L'ambiguïté qu'il entretient longtemps à l'égard du fantastique, de même, est tantôt appréciable, tantôt frustrante à force d'atermoiements inutiles. Cette ambiguïté disparaît à la fin, ce qui a chagriné des critiques pour qui le genre est une tare. Pourtant, le mystère globalement demeure et l'auteur a le bon goût de ne pas sombrer dans une longue litanie explicative. Le problème est ailleurs. C'est qu'on est bien en droit de se demander, parvenu aux dernières pages, tout ça pour ça? Sans avoir la conviction d'avoir perdu notre temps, nous pouvons bien trouver cette conclusion terne au regard des attentes suscitées par les meilleurs passages du roman. Non, elle n'est sans doute pas à la hauteur. Quoi que King ait pu en dire, non, donc Les Mortes Eaux n'est sûrement pas un grand livre ou un roman incroyable. Il lui manque encore quelque chose de plus ou moins aisé à définir, et peut-être souffre-t-il de quelques pinces à et là. Trahissant le premier roman? C'est possible. Bon, sans grande certitude. Cela reste une lecture plutôt appréciable, et sans doute au-dessus de la médiocrité. Peut-être même est-ce un bon roman? Oui, peut-être. Allez, probablement même. On en verra que c'est déjà beaucoup. Et qu'il pourrait être intéressant de voir ce que l'auteur commettra à l'avenir. Quant au buzz, eh bien c'est du buzz, et ça ne doit pas être envisagé autrement.